Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing. Donc j'étais assez surpris parce que monsieur il l'a envoyé hier matin, enfin je pense plus de matin, mais elle est déjà arrivée. Donc voilà, je vais pas montrer le mais voilà, parce qu'il y a mon adresse, c'est ma chaîne. Ouais, donc j'ai des mouches là, parce que comme ça c'est un petit peu compagnie. Les 139 de 1 demander de face pour demander, ils ont été pondus entre en décembre. Les naissances devraient démarrer en juin voire juillet. Bonne image. Il a bien envoyé dans un truc comme ça, en lettre suivie. Donc la lettre. Démarrant, donc on avait pour eux c'est fini, ou alors c'est dire ils vont bientôt être là, je ne sais pas. En vrai j'aurais pas imaginé que les œufs auraient été si petits. Je vous avoue que bah voilà, hein, je suis un peu surpris. Donc il y en a 130, mais on dirait pas comme ça. Au début je me suis demandé comment il va les envoyer tout ça, voilà. Ben tranquille, donc je vais les compter, puis comme ça je vous dirai à la fin. Voilà, c'est bon. Donc ici il y en a à peu près plus de 100, à peu près 110 115. Dedans il y en a 30, donc cela je pense que je les mettrai à vendre sur Le Bon Coin. Voilà, donc pour l'instant je vais les mettre là bas mais c'est je vais les mettre dans cette boîte là à la fin. Voilà. Tout cela, ben, je vais les mettre dans cette boîte là. Voilà, donc si j'ai fait de l'aération, mais bon, avec du scotch. Parce que j'ai rien trouvé mieux. Au début, on a fait avec de la colle forte. Mais bon, ça n'a rien donné. Donc, on a collé, mais bon, ça faisait rien du tout. Donc voilà, je vais les verser. Mais bon, il faut que j'arrive à les attraper quand même. Je fais ça en vidéo, je sais, hein, mais bon. Voilà, je peux pas faire autrement. Parce que j'ai pas envie de recouper.
cru là qui est sorti, enfin qui est pas sorti, mais je veux dire voilà. Donc il y a encore des sortes de petits bouts de capsules. Donc je vais les répandre un peu partout. Ah non, mince, c'est bon, attendez. Pas encore versé en fait, je voulais les mettre tous sur du tulle que j'ai eu avec le terrarium. Donc en regardant ma présentation de chaîne, enfin, je sais même pas si je l'ai dit avec, mais bon, c'est pas grave. Voilà, attendez. J'essaie de bien la mettre droit, mais bon, c'est pas gagné. Donc je sais, moi, pour ces œufs-là, il faut pas trop les manipuler, mais bon, là, je les ai posés sur mon coussin, donc c'est mou. Enfin, après, je sais pas si ça fait rien, mais bon. Et pas grave, voilà, donc je vais en mettre un bout là. J'en ai encore un deuxième que j'avais déjà découpé. C'était pour faire ce trou d'aération là. Mais bon. Ils étaient trop petits. C'était comme ça, c'était trop petit. Ah, non, parce qu'avant, on avait mis un lézard dans le terrarium qu'on a trouvé à côté de Kiabi d'ailleurs. Donc, petite pub pour ce magasin-là. Non, non, mais sérieux. Là-bas, avec les lézards, ça tapait. Dès qu'il y a eu du soleil, bing, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lézards qui sortaient. Une fois, il y a même des personnes qui sont venues carrément avec un aquarium, je crois. Ou une petite boîte, une sorte de nano-box, un petit aquarium, quoi. Ils en ont mis dedans, mais bon, le monsieur, il s'est fait avoir. Hein, il s'est ouvert à cause d'un lézard. Bon, après, ça se comprend. Hein. Voilà, donc je vais les mettre ici, comme ça. Voilà, là. Et là, désolé pour le poster, mais bon, j'ai rien trouvé mieux, parce que sinon, ça va abîmer mon bureau. Regardez-moi cette vermiculite. Donc, c'est que des petits grains, je sais pas si c'est normal. Donc là, je vais les verser. Oups, j'en ai déjà versé un côté. Avec quoi je vais pouvoir l'attraper? Ah, ça me saoule, là. Voilà, avec un pansement. Oups, mince. Aïe, aïe. On est mis encore à côté. Entendu. Voilà, donc c'est bon, je les ai tous mis là. Ça fait un beau paquet. Donc ceux qui sont dedans, je vais mettre ça, ce bout de tulle de moustiquaire un peu. Parce que voilà, ça donc il fait près de 24 degrés. Donc on est mardi après-midi. Hier après-midi, j'ai pas eu cours. Oui, je sais, je vous raconte ma vie. Cet après-midi, j'ai qu'une heure de cours, histoire géo. Et ce matin, j'ai eu 2 heures de cours anglais et maths. Que deux profs, prof de français et prof de musique, ils étaient pas là. Ouais, donc on est assez chanceux dans notre classe. Hein. Pour pas vous mentir. Hein. Ouais, donc je les mets sur de la moustiquaire parce que, comme ils aiment pas l'humidité et que c'est assez fatal pour eux, et ben voilà. Donc là. Ça donne ça, donc après je vais mettre le nom ici, le nom là, donc voilà tous les œufs. Donc j'ai trop hâte que ça aille clos, sérieux. Bon, normalement c'est prévu pour le mois prochain, mais bon, toutes les semaines, tous les dimanches ou lundi ou je peux, je sais pas, comme vous voulez. Après, c'est vous qui me le dites, et ben je mettrai une vidéo en ligne où je parlerai de ça, de mes œufs, oui, où ça en est. Voilà, attendez.
Parce qu'en fait, je les raconte parce qu'on dirait pas qu'il y en a 30. Désolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pile poil le compte. Si vous ne me croyez pas. Voilà. Mettez pause. Hein. Donc ceux-là, ils seront à la vente. Donc le prix, si vous êtes intéressé, je vous dirai en MP, vous m'envoyez un MP. Et je vous le dirai, ou à moins je le mettrai sur le bon coin, je sais pas. Ouais, elle est cool la boîte. Hein. Parce que voilà, une petite boîte transparente. Donc ça, c'est pas mal du tout. Avec un petit carton, que ça, je m'en fous un peu, mais bon. Bad in Germany. Ah, c'est des cartouches d'encre, je crois. C'est Pélican. Voilà, donc cela. Donc, j'ai pas humidifié parce que, comme ils aiment pas. Désolé, hein. Comme ils aiment pas l'humidité, et ben, je ne les humidifie pas tout juste. Même si je devrais un petit peu, mais bon. C'est pas très très bien après. Je remets tout. Donc, désolé, mais. Je suis obligé de faire comme ça, hein. Enfin, pour la qualité en tout cas. Parce que une fois, j'ai fait une petite vidéo de 2 minutes de pêche là, un petit brochet sur mon autre chaîne. Avec ma caméra HD, c'est pas une GoPro, hein, parce qu'une GoPro, je dois savoir que ça met pas beaucoup de temps, je crois, pour charger. Enfin, du moins, ce que je crois. À peine 2 minutes, moi, ça mettait 700, 800 heures pour charger. Oh là là là. 700, 800 minutes, désolé. Voilà, donc je vais marquer le nom ici ou là ou là ou là, comme je veux. Alors j'ai encore deux boîtes, mais ça c'est parce que voilà, on mange des torsades au chocolat, hein, des croissants, des trucs comme ça. Vous pouvez acheter des boîtes comme ça pour le goûter, puis après vous nettoyez la boîte bien, tout ça, à l'eau ou savon si vous voulez, et puis voilà. Voilà. Magnifique. Donc ben, je vous remercie de me suivre. Donc pour l'instant on est deux abonnés. Oui je sais ça. Donc je crois qu'il y a Phasma. En tout cas il y a Phasma Normand. Et je crois qu'il y a aussi Phasma. Donc ben je vous remercie ou je sais plus qui y a aussi. Enfin en tout cas on est que deux. Dans ma première vidéo, en tout cas, quand j'ai marqué plein de noms de chaînes, tout ça, c'était pour vous dire voilà, tous ceux que j'étais abonné à qui, sans compter Cyprien, Norman, Squeezie, Tonin, et des trucs comme ça, ok? Parce que sinon, je sais que vous, ces insectes, les cétoines, les phasmes et les mantes qui vous intéressent notamment. Après, je sais pas ce qu'il peut y avoir encore pour comme insectes. Je crois qu'il y a scarabée, bah, il y a escargot, il y a. Ah, il y a. Mille pattes, il y a encore plein d'autres. Il y a même Nakessi qui fait Nak et compagnie. Enfin, c'est Nakessi quoi. Donc lui, il fait sur les reptiles et les insectes, je crois. Bon, allez, je vais arrêter de vous parler de ce que j'ai fait dans ma précédente vidéo. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo pour une prochaine vidéo. Allez, bye!